La première fois que j'en ai entendu parler, bah, ça remonte à un petit peu à mes débuts en rallye. Peut-être pas tout à fait au début, mais plutôt à partir de 2001, quand il est arrivé chez Citroën. Bon, j'avais probablement entendu parler de lui pour le ski avant. Et après, voilà, on a entendu qu'il venait au sport auto, et puis c'est toujours sympa, parce qu'il y a eu lui, il y en a eu d'autres qui sont arrivés du VTT comme Bouillose à cette époque-là aussi. Et donc c'était sympa de voir des mecs qui venaient de sport extrême venir nous rejoindre dans le sport auto. C'est quelqu'un qui est habile, et quand on sait ce qu'il a fait dans le passé, il s'adapte facilement aux choses, il n'a pas peur. Il est parti dans d'autres choses, moi aussi en fait, hein. Je suis parti vers le circuit, vers le rallycross, j'ai fait différentes choses, et puis à la fin, bah, on se retrouve dans le rally raid. Et il a montré au Maroc qu'effectivement, ça faisait un moment qu'il était un petit peu sorti du sport auto, on va dire, dans le rally raid, etc. Et puis d'un coup, il est arrivé là, il a gagné. Donc ça montre qu'il a toujours sa pointe de vitesse. Je trouve que pour ce qui roule, le peu qu'il ait roulé ces dernières années, il m'a surpris par sa vitesse, et il a surpris beaucoup de monde d'ailleurs en arrivant au Maroc dans une voiture qui apparemment lui va bien.